What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne du Don. Donc comme tu vois ici, je suis toujours chez mon ami Fred, chez American Historic Cars, ici. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai repéré un beau pick-up que je voulais te montrer absolument. Mais avant toute chose, je voulais remercier donc à tous les abonnés qui sont présents sur ma chaîne, donc de votre soutien. Et puis au futur, bien évidemment, hein, donc tu n'oublies pas, tu actives la cloche en bas de notification pour pas rater aucune de mes vidéos. Et tu, bien évidemment, si tu veux aussi savoir ce qui se passe sur la chaîne du Don, bah tu t'abonnes quoi, tout simplement, ok. Donc on va faire un petit tour dans le shop parce qu'il y a aussi d'autres petites nouveautés qui sont arrivées entre temps. Je voulais te les montrer. Et puis bah, écoute, c'est parti, hein, on va voir ce qui se passe. Allez. Alors voilà donc le pick-up que je te disais tout à l'heure, qui est donc un Ford en coloris orange. Il est précisément de 1975. Il est en vente à 36 000 euros aujourd'hui. C'est un F100 351 CI. Donc la particularité sur ce véhicule, c'est qu'il a les jantes 18 avec les pneus bout, comme tu vois ici, qui est équipé ici avec les jantes noires, qui est très joli. Et il a aussi donc, voilà, je fais une dédicace à mon pote le son d'histoire, surtout le vois ici, le signe Peterbilt. La benne est assez conséquente. Bon, c'est ce qui te permet aussi de pouvoir charger des choses si tu veux transporter bah, des choses. L'arrière est assez sympa aussi, tu vois. Donc ça me fait penser un peu au véhicule de l'homme qui tombe à pic, tu vois. Et ça, alors ça par contre j'adore. Le Tasmania que tu vois ici, donc avec le l'insigne Ford, qui est très bien. C'est un sticker ou pas? Ouais, c'est un sticker avec les bandes noires. Donc double échappement aussi à l'extérieur, très joli, avec une marque précise dessus, je sais pas, LXD, ouais, LXD, très très joli, très sympa, enfin moi j'adore, c'est vraiment le truc, le pick-up de bonhomme comme on dit, hein. La poignée pour pouvoir éventuellement donc monter à l'intérieur du véhicule, et donc ici, comme je disais, ben, c'est peut-être le rangement pour pouvoir ranger les outils, etc. Donc, comment ça se présente à l'intérieur? On a ici donc une cabine avec deux sièges et non pas trois, et non pas une banquette. Et ici, tu vois, donc c'est en cours de réparation, restauration, hein, je te rassure. Tu as des manomètres qui sont ici, notamment donc pour l'huile et la température. Et puis donc tu as tout l'intérieur, tu vois, avec un volant sport qui date. Donc je te rappelle que le véhicule est de 75. Là, par contre, les commandos ici en chromé, j'adore. Ça, c'est magnifique. Tu vois ici donc, je sais pas si tu vas voir ici donc le, comment dire, l'indicateur au niveau des rapports que tu passes en boîte automatique, et ici tu as donc le compteur. Alors je vais rentrer dedans pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne. Alors, attends, parce que ça s'exerce étant donné que c'est haut. Hop, voilà. Donc comme je te disais, tu vois ici, tu as donc les compteurs, température, huile, flotte, le fuel, carburant qui est ici, et le niveau d'huile. Donc c'est une boîte automatique qui est donc à 4 rapports si je ne me trompe pas, avec les commandes ici du chauffage, et tu as aussi donc la commande de la radio, et là la boîte à gants. Putain, la boîte à gants, l'ouverture est complètement en carrosserie. Je veux dire que ça, tu te le prends en pleine tête, c'est assez sympa quand même, hein. Alors on va essayer de la mettre en route pour voir. J'ai l'autorisation de le mettre en route. Alors, tu vas écouter le son que ça fait. Donc les clés sont ici. Ouais, franchement, c'est génial. Regarde. Le son à l'extérieur.
monstre démoniaque. J'adore. Franchement, j'adore. Il est franchement terrible au niveau du son. Donc, je te rappelle que ce véhicule est en vente. 1975, 36 000 euros chez les amis American Historic Car. Donc, si le véhicule t'intéresse, tu vas voir Fred ou son frère ou d'autres personnes qui font partie ici du staff et tu pourras acquérir ce type de véhicule qui est franchement qui en jette, mais alors de feu de Dieu, enfin, surtout avec les jantes ici en noir avec les pneus en 18 pouces, c'est franchement terrible. Alors, il y a quelques nouveautés aussi qui sont arrivées dans le shop. En l'occurrence donc cette Chevrolet que je trouve magnifique. Donc regarde, je te montre Chevrolet 210 de 1956 à 54 000 euros. C'est une 265 V8 et c'est un véhicule qui a été expertisé le 27 juillet 2020. Donc c'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus de 2 ans. Elle a 34 000 miles d'origine. Et franchement, elle est magnifique. Quand tu verras la couleur, je sais pas si tu vas te rendre compte au niveau de la vidéo, mais c'est un espèce de, on va dire que c'est un peu entre le violet et puis prune. Voilà, les jantes et les roues sont tout à fait magnifiques. Ça, j'adore ce côté un petit peu là à l'intérieur. Tu vois les portes ici. Donc là, c'est un vêtement en vinyle, je suppose. Alors ça c'est vraiment le truc très très bling bling mais très joli, en vêtement type tissu, très brillant. Et à l'intérieur, donc je vais rentrer, c'est une banquette monoplace, tu vois, ce qui fait que tu peux être à 3 à l'intérieur. Tu vois, donc voilà comment ça se présente. C'est franchement, moi je suis toujours impressionné pour quand je suis dans ce genre de véhicule, parce que voilà, la banquette on dirait un canapé, hein, sans déconner. Mais je suis toujours impressionné par ce type de véhicule, parce que quand tu vois l'année où elle a été produite, donc je te rappelle 1956, et tu vois la finition des matériaux, bon, il y a la poussière, tu vois la finition des matériaux, tu vois, c'est le volant super fin, les commodo, toutes ces parties chromées que tu vois là. Ici tu as donc la boîte à gants, voilà le logo Chevrolet bien sûr qui est ici. C'est franchement, non, moi j'adore. T'as de la place et puis derrière ça fait vraiment typé comme dans les films américains. En plus c'est t'as une hauteur de pavillon qui est relativement haute, parce que moi je vois, hein, je fais 1m72 mais je touche pas le plafond, il y a encore de la marge. Mais surtout ce qui est sympa, je vais te montrer, regarde, c'est que tu as derrière une visibilité au niveau de la lunette arrière. Regarde la porte, t'as vu, elle est toute petite, carrée, rectangulaire, comme tu veux. Regarde la visibilité au niveau de la lunette arrière, c'est franchement terrible. C'est une bagnole qui a, pouf, j'adore. Alors on continue, donc celle-ci, je crois que je ne l'ai pas filmée, celle-ci. On est sur, toujours sur une Chevrolet, pardon, qui est de 1952. Donc elle est à 46 000 euros. D'accord. Donc première immatriculation, donc 010152, c'est un 6 cylindres en essence, le coloris c'est marron. Et elle a 51 000 miles avec une sellerie, tissu beige. Et garniture tableau de bord, moquette et céleri qui a été complètement restaurée. Donc je te montre l'intérieur, tu vois. On est à peu près dans les mêmes années. Je vais passer de l'autre côté, côté conducteur, pour que tu puisses mieux te rendre compte. Ça j'adore. La petite casquette comme ça, c'est vraiment typique de ces années-là, des années 50. Tu vois, donc tu as ici la dénomination de luxe. Et ouais, ce marron, il est pas, franchement, il est pas mal, parce que il y a deux tons, beige et marron, mais il est franchement pas mal. Donc je vais me mettre à l'intérieur. Oh putain, la porte par contre elle est hyper lourde. Hop. Donc là pareil, à l'intérieur, tu vois, c'est très c'est un canapé quoi, la banquette, hein. Toujours pareil avec une banquette, donc 3 places. Le volant, bah aujourd'hui tu es plus habitué à avoir ce type de diamètre de volant, tu vois, parce que quand tu regardes la taille que ça fait. Par contre, voilà, tous les commodo, l'intérieur au niveau définition du tableau de bord, ici des commandes de chauffage. C'est marrant ça.
la radio, le frein à main, je pense. Voilà, c'est et puis là tu as l'horloge typique de ces années-là, avec l'intérieur de la porte, tu vois, qui est en vêtements type moquette, qui est très bien fini, très bien restauré en tout cas. Elle est magnifique, elle est juste magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai un autre véhicule que j'ai vu, qui est rentré, qui était celui-là au fond. Alors celle-ci, elle est en cours de restauration. C'est une... Donc déjà c'est V8, c'est une Thunderbolt. Tu vois, c'est marqué là, Thunderbolt. Elle est complètement en cours de restauration. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je suive la restauration complète de A à Z. Ça je peux le faire, sachant que il va y avoir du temps, de l'investissement, et bien évidemment à la finale on aura un véhicule qui sera totalement en bon état. Donc tu vois l'intérieur, voilà. Il a complètement été désossé pour une restauration complète, et ça vaut le coup, je pense, de pouvoir le filmer en termes d'opération de A à Z. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement ici, c'est le pick-up que j'avais repéré tout à l'heure, un Chevrolet en version Custom Camper CST, avec la benne d'origine, je suppose. J'adore la couleur. Le bleu, bah moi de toute façon le bleu c'est ma couleur préférée, tu vois. Donc là franchement, à l'intérieur c'est pareil. Tu as trois assises, tu vois, en vêtements Sky, je suppose. Et au niveau de la cabine, c'est franchement c'est taille. Je vais me mettre dedans, hop, pour que tu puisses voir un petit peu. Voilà, comme ça, j'ai vu que c'était un truc qui se rabattait. Voilà, c'est le vélo scratch. Ça fait office donc d'accoudoir, je suppose. Et là, bah, pareil, hein, volant démesuré, la boîte automatique, les rapports. C'est. Je le dis, je le répète encore, mais je trouve que dans ce type de véhicule, il y a une âme, il y a quelque chose, tu vois, qui fait que quand tu conduis ce genre de pick-up, et ben, ouais, tu te sens, en plus là t'es en hauteur et je suis sûr que ça va faire un bruit de fou ce truc encore. Et elle est franchement très très belle. Alors, est-ce qu'il y a un prix qui est donné dessus? Tu vois, parce que ça c'est pareil, j'adore ce côté rétroviseur comme ça, qui est attaché directement à la porte. Et donc là on a un prix qui est de... je sais pas, je vois pas. 27 000 euros apparemment. Ford Mustang, donc celle-là on l'avait déjà filmé, si je me trompe pas. Voilà. Donc là on est sur une version de 1966 en version cabriolet, essence noire, avec donc la capote blanche. Ensuite, bon, Apache on l'a déjà vu, celle-ci on l'a déjà faite, le Ford pick-up qui est ici aussi que j'avais repéré, donc j'adore aussi le côté légende là démesuré, tu vois, magnifique, avec la benne d'origine apparemment, il n'est pas peint, décroché, certainement pour y mettre une cabine, et à l'intérieur donc, tu vois, voilà. J'adore. Donc l'appareil en cours de restauration, de réparation. S100 modèle Ford en version V8, et elle est donc de 1957. Donc quand tu regardes bien par rapport à la orange que j'ai filmé tout à l'heure, qui est un F100 aussi, mais qui est de 75, tu vois, qui est là-bas. Voilà. Tu vois que les styles sont complètement différents. Bon, je reviens sur celle-ci. Là, tu vois, Ford F100. Donc, je te le rappelle, de 57, 39 000 euros à la vente. Il y a précisément 20 ans d'écart entre les deux. Mais ça a de la gueule aussi, quoi. Ici, je crois que j'avais filmé celle-ci ou pas?
Peut-être pas, 350 Malibu. Oui, c'est possible. Je l'avais filmé, mais bon, je te la remontre au cas où. En version donc cabriolet. D'accord. C'est une Chevelle. Magnifique. Ici donc. Ben ça, c'est le petit monstre que je connais. Qui est assez sympa aussi. Ici donc la Pontiac GTO de 69, elle vendra 48 000 euros, voilà. Et puis la fameuse Royal Bobcat GTO qui est un monstre, qui est le véhicule rare sur le marché, tu vois. Donc restauration complète en 1900, restauration complète donc en 2015, 427 CI, 7 litres 2 à 79 500 euros. Et elle est donc de 1969. Donc t'as vu le monstre à l'époque. Voilà. Ensuite on a ici donc Chevrolet en pick-up. C'est la version C10 350i. Donc à l'intérieur on est sur une banquette, mais avec deux assises. Tu vois, c'est un peu l'aspect siège pas baquet, mais c'est bien défini. Et on a donc là, déjà quand tu vois les contours, tu vois, t'as compris que ça parle un peu quand même. Température d'eau, température d'huile, température du voltmètre au niveau de la batterie, que tu retrouves ici d'ailleurs. Donc à mon avis c'est parce qu'il doit y avoir une prépa qui a été faite dessus, ce qui fait qu'il y a des nanomètres qui ont été rajoutés. Et ben là on est sur un volant qui est beaucoup plus court, très sympa, toujours en boîte auto sur donc la colonne de direction. Très joli, j'aime beaucoup. Beaucoup l'orange, ouais, mais les véhicules là, je suis posé dedans. Franchement, je sais pas régler le siège, quoi que ce soit, et je suis en bonne position. Ça manque un peu d'appui-tête, mais non, ça c'est sympa. C'est sympa. Donc, je te montre la face arrière, la face avant. Là, la face arrière, là, ça se présente comme ça, avec une benne qui s'ouvre et qui a été, je pense, complètement restauré ici, et son prix de vente, il est de, je vais te dire ça tout de suite, regarde, 43 000 euros. C'est un véhicule de 1970, 350 V8, direction assistée, peinture récente, banquette neuve, moteur complètement restauré, et la benne qui est en bois complètement restaurée. Voilà. Bon ben voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, donc si ça t'a plu, tu n'oublies pas de mettre un petit pouce bleu, la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, et bien évidemment de t'abonner si c'est pas le cas déjà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël aussi, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de se voir d'ici là. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur les routes. Faites attention à vous. Ciao.